Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Bibliogrill sur le mécénat en bibliothèque. On lit souvent le mécénat à l'activité d'institution muséale, en tout cas à vocation patrimoniale, plutôt qu'aux établissements de lecture publique. Pourtant, quelques bibliothèques se sont lancées dans l'aventure. Ainsi, la Bibliothèque de Bordeaux, bibliothèque municipale classée, qui conjugue donc une mission de lecture publique et une mission patrimoniale, a intégré le mécénat dans plusieurs de ses projets. Aujourd'hui, Julie Calmur, responsable du service développement des publics à la Bibliothèque municipale de Bordeaux, et Clotilde Anglès, chef de service collection et médiation régionale et patrimoniale à la Bibliothèque de Bordeaux, viennent nous parler des mécénats qu'elles mettent en œuvre. Vous pourrez leur poser leurs questions sur Facebook, elles y répondront. Bonjour Julie et bonjour Clotilde. Bonjour. Vous vous occupez des actions culturelles qui ponctuent, Julie, vous vous occupez des actions culturelles qui ponctuent la vie de la bibliothèque. Et dans ce cadre, vous avez recours à différents types de mécénat. Clotilde, vous gérez des projets patrimoniaux d'envergure pour lesquels vous avez réalisé plusieurs campagnes de financement. Alors, on va peut-être commencer par vous, Julie, pour définir ce qu'est le mécénat et nous expliquer la distinction avec le sponsor. Oui, bonjour Geneviève et merci. En effet, on peut repartir de la définition du ministère de la Culture et de la Communication, la définition qu'il donne du mécénat. Donc, le mécénat, je lis la définition, c'est le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités représentant un intérêt général. Le mécénat est de trois types, financier, en nature, ou en compétences. Le mécénat n'est effectivement pas à confondre avec une activité de sponsoring. Un sponsor, c'est quand une entreprise privée va vous verser une somme ou une somme financière ou un avantage en nature, mais ça donne lieu à des contreparties immédiates qui vont être négociées. Le sponsor n'est pas employé dans les collectivités territoriales parce que ça donne lieu à d'évidents problèmes juridiques dans lesquels nous n'avons pas envie de nous lancer. Si ce n'est quasiment impossible. Bon, donc je laisse le sponsor de côté pour m'atteler au mécénat. Deux, trois types. Donc, le mécénat financier, c'est peut-être celui auquel on pense en premier. Donc, moi, je vais vous présenter les petits projets que rencontrent les bibliothèques publiques qui peuvent bénéficier de mécénat financier. Et puis, je vais vous donner un exemple. Alors, dans le cadre de nos bibliothèques éphémères estivales, nous installons des tentes, des algécos dans différents quartiers de la ville. Et c'était une demande à l'époque de la mairie, donc on va dire en 2011. On nous demande de faire ça. Un budget plus ou moins constant. Bon, on connaît les collectivités territoriales, voilà. Et à ce moment-là, l'adjoint à la culture nous dit, vous n'avez qu'à faire un peu de mécénat. Alors, la bibliothèque de Bordeaux s'y lance en découvrant. Eh bien, l'une de nos bibliothèques éphémères, Biblioplage, était située à la plage du lac, c'était un algéco. Et on a réussi à récupérer 2000 euros de mécénat de la part d'Habitat 33, donc un bailleur social qui a des immeubles dans cette région Bordeaux. L'hôtel Mercure, pareil, qui est un grand hôtel qui donne sur la plage du lac. Et l'hôtel Novotel, idem. 5000 euros. Et 5000 euros, ça nous a permis de payer des vacataires tout l'été pour nous aider à animer le lieu. Ça n'a pas payé l'ensemble, naturellement, l'objectif était sans doute inatteignable, mais ça nous a permis de récupérer 5000 euros et nous en étions très contents.
Pour faire cela, il faut, je fais un petit mémo juridique. En général, il faut une délibération qui nous autorise à percevoir ces sommes en mécénat ou au moins une lettre formalisée si jamais votre adjoint à la culture a délégation de compétences pour perception de ce mécénat. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain montant, on va dire 25 000 euros. Selon les collectivités, ce seuil peut être révisé. Mais en dessous de ce seuil-là, la délégation de compétences est possible. Donc nous, c'est le cas ici. Notre adjoint a une délégation de compétences pour perception de sommes inférieures à. Voilà. Néanmoins, il faut quand même le formaliser. Puis la ville ensuite envoie ses remerciements, c'est normal. La contrepartie, c'est la présence de Habitat 33 Mercure Novotel sur notre flyer de communication. Toute petite contrepartie. En nature. Alors, en nature, on va dire qu'on en a fait notre spécialité. Cette spécialité démarre toujours dans nos bibliothèques éphémères, puisque bon, bah, on a nos vacataires hein, grâce à Habitat 33, Mercure Novotel. Mais bon, que dire de nos collections? Je vous avoue qu'à l'époque, nos collègues de la lecture publique sont pas très, très, très enjoués à l'idée de nous laisser des collections qui vont aller traîner dans le sable de bibliothèques. Bon, on les comprend. Donc là, on se dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver du mécénat en nature et avoir des livres sacrificiels hein, qui vont éprouver tout l'été à la plage du lac? Et la FNAC, aussi située à bord de lac, décide de nous faire une importante dotation de livres, 500 livres pour la plage du lac. Encore une fois, ça ne suffit pas, mais c'est un beau geste. C'est un très beau geste qui nous permet voilà, d'avoir des livres bien, qui sont, alors, qui n'ont pas été si détruits que ça, d'ailleurs, qu'on réintègre systématiquement en collection. Donc voilà, en plus c'était plutôt la bonne surprise. Le mécénat en nature, on y recourt systématiquement pour nos jeux concours. Et alors là, on est des pros du jeu concours dans les bibliothèques, c'est comme ça, on adore ça. Jeux lecture, rallye lecture et compagnie. Et on aime bien pouvoir donner une petite récompense. Je vous rappelle que pour un jeu concours, il y a nécessairement une délibération en conseil municipal, et ce, quelle que soit la délégation de compétences à votre adjoint. Donc, toujours une délibération. Dans cette délibération, vous devez faire une liste des lots donnés en récompense pour valoriser le gagnant. Je ferme cette parenthèse juridique. Donc, nous ici, alors quand je dis nous, tout ce travail-là, j'oublie de le dire, il s'agit du travail de Marianne Roussel et Pauline Mingot, que je représente ici et qui font donc un travail très dynamique autour de ce mécénat financier et en nature. Donc, elles appellent les éditeurs, elles appellent les entreprises culturelles locales, Youpi Park, les cinémas, elles appellent nos fournisseurs de mobilier, de bureaux, etc. Et elles demandent si ils peuvent nous donner des lots pour les jeux. La réponse est toujours oui. Et c'est super, on a des livres, on a des carnets, on a des affiches, on a eu un vélo, des places d'entrée pour Youpi Park, etc. Donc, le seul frein, c'est qu'en général, on n'ose pas le faire. Puis un petit frein juridique, on se dit, oh, il y a la délib, la liste. En fait, c'est peu de choses. Et puis, bon, bah, on aura l'occasion de se le redire après, mais vous pouvez toujours nous rappeler pour qu'on vous donne des modèles de convention, on le fera volontiers. Et enfin, je m'arrêterai là, le mécénat en compétences, bah, c'est la mise à disposition d'une compétence qui peut vous aider à réaliser un projet. Ça, c'est un domaine qui me semble intéressant à creuser. On l'a fait une fois en s'arrogeant les conseils et même le travail d'une école de designers, une école privée. Qui nous a permis de réaménager l'espace petite enfance de la bibliothèque Saint-Michel, bibliothèque de quartier. Donc là, je cite le travail de Charlotte Bruno, Marie Brault et Liam Ruffel et toute l'équipe. Et l'équipe de designers a vraiment conceptualisé le réaménagement et ensuite est venue réaménager l'espace. Notre reste à charge, c'était le matériel, peinture, bois. Et le résultat est somptueux. Voilà, pour moi, j'en ai fini pour les petits projets de lecture publique qui peuvent bénéficier du mécénat et je cède la parole à Clotilde. Clotilde, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du côté du coup du versant patrimonial pour les projets patrimoniaux? Qu'en est-il dans les mécénats?
Alors, donc effectivement, le mécénat à la bibliothèque de Bordeaux, il démarre bien du côté de ses projets de bibliothèque éphémère. Du côté du patrimoine, on a pu faire des choses assez classiques, c'est-à-dire faire financer une restauration, par exemple la restauration de l'exemplaire de Bordeaux, donc notre plus grand trésor, un exemplaire annoté de la main de Montaigne, un exemplaire des essais annoté de la main de Montaigne, et on a fait financer cette restauration par la Fondation du patrimoine. Et puis on s'est lancé en 2019 dans un projet d'un peu plus grande envergure. C'était une collecte de financement participatif pour la restauration de deux atlas Mercator, donc des très beaux atlas du XVIIe siècle. On bénéficiait d'un contexte favorable au niveau de la métropole bordelaise, puisqu'il y avait déjà eu d'autres campagnes de financement participatif institutionnel pour la restauration du pont de Pierre, pour la restauration du cénotaphe de Montaigne au musée d'Aquitaine. Et donc, voyant que ces projets éclosaient un peu partout dans les institutions, la mission mécénat de la métropole, puisque on a la chance d'avoir ce type de mission-là au niveau du service des finances de la métropole, a passé un marché avec la plateforme KissKissBankBank, qui est la plus grosse plateforme de financement participatif. Ce qui permettait du coup à toutes les institutions et à toutes les communes qui avaient délégué leurs finances à la métropole, de se lancer très simplement dans une telle collecte avec le support de la plateforme KissKissBankBank. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une collecte de financement participatif? C'est d'abord un temps limité de 2 mois maximum, qui est le temps que nous avions choisi pour notre collecte. C'est ensuite une organisation avec différents paliers qu'on va choisir, avec obligation d'atteindre le premier palier, sinon la collecte est infructueuse et on est obligé de rembourser les donateurs, ce qu'on ne souhaite absolument pas. Nous avions choisi les paliers suivants. Pour 6 000 euros, on finançait la restauration des atlas. Pour 8 000 euros, on construisait un parcours scolaire autour des cartes et atlas. Pour 15 000 euros, on préparait une exposition autour de la cartographie ancienne. Et pour 19 000 euros, on numérisait les plus beaux atlas. L'autre élément d'une telle campagne, ce sont les contreparties qu'on offre aux donateurs. Donc on avait toute une gamme de contreparties qui s'échelonnaient de 5 à 1 000 euros. 5 euros pour soutenir le slogan un petit peu tous mécènes et 1 000 euros pour attirer éventuellement les mécènes entreprises. Voilà. Et ces contreparties, c'est un peu comme les paliers, on les avait choisis comme reflétant l'activité de la bibliothèque. Donc on proposait des visites des magasins, visites adultes, visites enfants. Et des éléments qui avaient vraiment un lien avec notre activité. Et donc, on a reçu des dons de 136 donateurs particuliers qui étaient vraiment qui a vraiment donné un sens à l'expression anglaise de crowdfunding. C'est à l'échelle des projets portés par la ville, c'est vraiment un grand nombre de donateurs. Pour le reste de l'organisation, il faut vraiment le voir comme une campagne de communication. C'est-à-dire que on a énormément travaillé les différents supports de communication, la communication avec un bon de souscription papier, mais surtout une communication numérique via les différents réseaux sociaux de la ville et de la bibliothèque. Et puis, on a également construit tout un programme d'animation. On est par exemple allé dans les bibliothèques de quartier pour présenter ces atlas. On a essayé d'organiser des conférences, des visites pour tout au long de la campagne maintenir l'attention autour de ce projet. Voilà, et donc ce projet donc la première campagne a été un succès et ce succès s'est prolongé par l'intérêt qu'on a pu susciter chez une entreprise bien représentative du territoire bordelais qui est la TOC
cuivré, donc un des deux grands marchands de cannelés qu'on trouve à Bordeaux, et qui a décidé d'éditer une boîte mécénat. Donc pour chaque boîte vendue, 1,50€ était reversé à la bibliothèque, et ce qui nous a permis de collecter 30 000 euros avec lesquels on va pouvoir du coup mener à bien une exposition de bien plus grande envergure que ce qu'on avait initialement imaginé. Merci beaucoup, Clotilde, de nous présenter ainsi le mécénat et tout ce qu'il permet et toutes les possibilités qu'il offre. Cette mise en place, donc, qui est relativement ancienne à Bordeaux, si j'ai bien compris, elle date de quelle année ? La mise en place du mécénat, vous avez commencé Alors, pour les bibliothèques éphémères, c'est 2011, oui. Le début de D'accord. ce travail-là. Pour la dimension patrimoniale, c'est un peu plus tard, c'est 2019, à la fois pour le travail avec la Fondation du patrimoine et pour la collecte de financement participatif. Et puis, on ne s'arrêtera pas là, évidemment. D'accord. J'ai une dernière question avant de passer la parole au public. Donc, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à écrire en commentaire sur Facebook vos questions. On les relaiera à nos deux intervenantes. J'aurais aimé savoir, Julie, quels étaient les avantages et les difficultés de la mise en place de ce mécénat. Est-ce que des résistances ont été rencontrées, notamment au sein des équipes, par exemple ? En effet, Geneviève, tu as raison de le souligner. Je pense que l'une des difficultés, c'est une difficulté d'ordre éthique, peut-être. Peut-être qu'on estime, à tort ou à raison, il ne m'appartient pas ici de juger, que la puissance publique ne saurait recourir à l'intermédiaire d'une entreprise privée pour financer son activité courante. Donc, en effet, ça a effectivement rencontré quelques réticences de ce type qui ont été formulées. Bon, il se trouve que là, le mécénat dont il est question est réalisé par l'équipe du développement des publics que j'ai la chance de diriger, et les membres de cette équipe sont acquis à ce type de méthode qui, outre l'apport financier que cela représente, permet aussi... Clotilde et Julie, vous êtes un petit peu fixes. Donc, en attendant que vous reveniez, nous avons plusieurs... Attendez encore. Allô ? Oui, on voyait l'écran qui réfléchissait, mais c'est bon. On est de retour. D'accord. Peut-être pour compléter ce que dit Julie sur la partie financement participatif, un des moyens de répondre à ces objections, c'est que finalement l'avantage premier, c'est pas forcément le gain financier qu'on va y trouver. Julie vous le disait, il n'a jamais été possible de financer les bibliothèques éphémères uniquement avec du mécénat, et de façon générale, on considère que on peut financer environ 10% d'un projet avec du mécénat. Donc ça ne couvrira jamais la totalité. Mais en revanche, ce qui est vraiment important et très gratifiant aussi, c'est finalement tout le lien qu'on va pouvoir tisser avec les entreprises d'un territoire qui finalement sont aussi quelque part le public de l'institution. Et c'est un tel appel comme la campagne Mercator qu'on a pu mener, c'est vraiment un appel au public pour lui donner une occasion de prouver son attachement à l'institution. Et de très nombreuses entreprises le font très volontiers, et on constate très souvent que des entreprises ne demandent même pas des justificatifs leur permettant de déduire leur mécénat de leurs impôts. Donc ils le font par conviction et par attachement, en tout cas pour le tissu de PME d'un territoire. D'accord, merci. Ça rejoint un petit peu une question d'une participante. Donc cette liaison avec le territoire, cette proximité avec le territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de la toque dorée. Est-ce que justement ces mécénats permettent des compagnonnages de longue durée avec des acteurs du territoire ? Alors, en ce qui concerne la toque cuivrée, en fait, ça n'était pas la première boîte mécénat, c'était la troisième boîte mécénat qu'ils faisaient. Ils ont leur intérêt puisque ces boîtes se vendent très bien, mais c'était le troisième projet métropole qu'ils soutenaient et ils le font très régulièrement. D'accord. De même, dans les mécènes entre
entreprises qui sont en lien avec la mission mécénat, il est très fréquent qu'ils soutiennent d'une année sur l'autre les projets. La mission mécénat soutient deux projets d'intérêt métropolitain par an, plus autres projets portés par les communes. Et généralement, les mécènes entreprises soutiennent régulièrement ces différents projets. C'est tout à fait la même chose pour les plus petits projets. Nous conservons nos mécènes, que ce soit du mécénat en nature ou financier, nous les conservons d'une année sur l'autre. Une fois que le mécène a été acquis à un projet, il repart avec nous, volontiers. Pour vous donner une idée d'un projet en cours, on va travailler. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà du côté des musées. Le musée d'Aquitaine a plusieurs mécènes hôteliers qui offrent des nuitées en mécénat pour les invités de sa programmation culturelle. Et c'est quelque chose sur lequel on va travailler également. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans un lien avec le territoire. D'accord. En termes financiers, vous avez parlé de beaucoup de projets réussis et de demandes qui ont été satisfaites, hein, Julie, quand vous parliez notamment de projets financiers. Est-ce que cela apporte, enfin, risque d'apporter un désengagement de la collectivité? Non, non, non. Enfin, en tout cas, à Bordeaux, c'est pas ce qui est constaté. Au contraire, ça valorise plutôt le travail fait par les services d'une bibliothèque. Et au contraire, ça s'accompagne plutôt d'une meilleure compréhension de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons. Et ça aurait plutôt tendance à asseoir ce que nous avons déjà. Ça, en fait. Pour des élus, ça parle relativement bien de nous. Voilà. Et D'accord. puis, par rapport à la tenue d'un projet, ben finalement, si on sait qu'il y a des mécènes impliqués, au contraire, enfin, c'est un projet qu'on va chercher à mener à bien coûte que coûte, parce que sinon, aller dire aux mécènes, ben finalement, on annule, ça fait très mauvais effet. Une autre question, comment les livres donnés par la FNAC sont-ils choisis? J'imagine en fonction du projet. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est Marianne Roussel ici qui est responsable des bibliothèques estivales éphémères. Et donc, elle se met en rapport avec les collègues du livre de la FNAC Bordeaux-Lac et elle donne le ciblage d'âge, de goût, voilà. Et si elle a des recommandations à faire, elle les fait. Mais je crois qu'on était plutôt je dirais pas carte blanche, mais si, voilà, on laissait les libraires aussi nous proposer ce qu'ils pensaient pouvoir convenir à ce public d'adolescents très éloignés des lieux traditionnels de culture qui nous fréquentaient à Biblioplage. C'est vraiment un endroit fréquenté par une population très éloignée, voilà, de nos services habituels. Et ça a fonctionné bien. Une question encore. Est-ce que le mécénat est une pratique courante dans les bibliothèques en général? Alors, je crois que non. Mais est-ce que vous connaissez d'autres bibliothèques, et notamment des bibliothèques de lecture publique, qui ont recours au mécénat? Parce que moi, j'ai des exemples en tête, notamment de bibliothèques patrimoniales. Je pense à Nancy, par exemple. Est-ce que vous avez connaissance d'autres bibliothèques qui mettent en œuvre le mécénat pour la lecture publique? Alors moi, non, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a, mais vraiment, je ne saurais pas vous dire. D'accord, on va les appeler à se Alors, manifester si elles nous suivent. du côté du patrimoine, et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel le mécénat est plus traditionnel et plus spontané aussi. C'est-à-dire que dans les sujets qui sont à même de susciter du mécénat, le patrimoine arrive très souvent en tête. Et donc, il y a au moins la bibliothèque municipale de Reims qui a travaillé en ce sens. D'accord, merci beaucoup. Maison de On nous demande comment ce mécénat est-il valorisé? Qu'est-ce que ça apporte à la FNAC? Bah, à la FNAC, je rejoins Clotilde en termes financiers, économiques, commerciaux, pas grand-chose. Je pense que quand on les rencontre, c'est que la FNAC Bordeaux-Lac, en tout cas,
sensible au projet, au fait qu'on vienne à la plage du lac. Donc, la plage du lac, c'est un lac urbain aménagé à Bordeaux qui est ardemment fréquenté par des familles qui ne partent pas du tout en vacances. Et ce qui est paradoxal ici à Bordeaux, c'est que l'on a beau être très proche de la côte atlantique, eh bien, nous avons un nombre important d'habitants qui ne va pas sur la côte. Donc voilà, notre lac urbain est très fréquenté. On essaie d'y mettre une activité culturelle avec la biblioplage, comme nous l'appelions, parce que là, la formule est en train d'évoluer. Et voilà, la FNAC de Bordeaux-Lac y est sensible au fait qu'on accueille ces jeunes, également les... Il y a beaucoup de camps de migrants qui sont dans ce coin-là, et c'est un engagement à nos côtés. Ça leur plaît de... Mais voilà, ils ne nous ont pas non plus demandé les contreparties qui permettent de sortir des impôts, ce dont... De toute façon, les contreparties sont, et c'est vraiment là où il y a la différence entre mécénat et sponsoring, pour le mécénat, les contreparties sont extrêmement bornées et on peut, enfin, pour un mécène entreprise, généralement, c'est essentiellement là des éléments de communication, c'est-à-dire indiquer le nom du mécène sur notre communication autour du projet qui est mécène. Alors on peut peut-être donner un peu plus de détails là-dessus, c'est-à-dire que l'équivalent financier de ce qui nous est octroyé. Quand je dis équivalent financier, c'est parce que quand c'est financier, bon bah, on a la somme. Quand c'est en nature, il faut traduire ce don en euros, ce que cela coûte. Et quand c'est en compétence, pareil, il faut le transformer. La contrepartie que nous, bénéficiaires, on peut accorder aux mécènes ne saurait excéder 25% du don, déjà, donc ça c'est encadré comme ça. Parfois, nous avons des mécènes qui nous demandent, ils nous ont demandé par le passé, un accès à l'auditorium. Nous avons un auditorium à la bibliothèque centrale. Il se trouve que dans la délibération, la location de l'auditorium, c'est un coût. Alors, il y a une location pour une association à vocation culturelle, une entreprise privée. Une entreprise privée, c'est environ 600 euros la demi-journée. Bon, bah, si j'accorde ça, ça veut dire que le mécène a donné au moins 2400 euros. Voilà. Mais on nous l'a demandé une fois, uniquement. Ok. Donc, en fait, on est quand même sur, on va dire, un duo gagnant-gagnant. On a deux questions que je vais réunir en une seule, qui est comment avez-vous identifié les mécènes et avez-vous une liste en local de ces mécènes? Oh bah... La liste des mécènes, elle n'est limitée que par notre imagination. Hein. Ça dépend du projet que vous faites. Vous voyez, quand mes collègues Marianne Roussel et Pauline Mingot travaillent sur leur défi lecture, c'est un défi lecture qui s'adresse aux 3-6 ans et aux 6-12 ans. Il y a deux catégories d'âge. Bon, bah, elles ciblent des entreprises qui pourraient leur donner des lots qui plairaient aux 3-6 et aux 6-12. Pour être simple, Youpi Park 3-6, Acrobranche 6-12. Voilà. Et elle demande des entrées. Cinéma pour les deux. Bon, voilà. La liste, c'est nous qui nous la faisons en fonction du projet qu'on fait. Alors là, moi, je parle des petits projets. C'est sûr que la réponse de Clotilde va être différente. Voilà. Pour le projet Mercator, il y avait eu tout un travail qui avait été initié par la mission mécénat pour essayer de cibler des entreprises qui avaient un lien avec notre projet, donc un lien avec la géographie. Et donc on a eu le mécénat d'une entreprise qui s'appelle Mercator Océan, qui travaille sur la surveillance des océans par satellite, qui entendent, enfin voilà. Donc eux, ils avaient été ciblés à cause de leur nom et ils ont été très sensibles au projet et ils l'ont financé à hauteur de 2000 euros. On a contacté également des entreprises faisaient des systèmes d'information géographique qui ont développé une application autour de la projection de Mercator en mécénat de compétences. Et puis après, il y a également une forme de cercle vertueux autour du mécénat, c'est-à-dire que KissKissBankBank nous avait imposé la présentation du projet sur une vidéo que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, la page de collecte est toujours en ligne, même si le projet est terminé. Donc, sur le site de KissKissBankBank, vous pouvez regarder Mercator. Et donc, vous verrez cette vidéo. Et cette vidéo a été réalisée en mécénat de compétences par une société qui s'appelle Grand Angle et qui fait partie des partenaires réguliers de la mission mécénat. Et ils sont venus filmer dans les magasins patrimoniaux et en
découvrant les richesses de la collection. Ce mécénat s'est également prolongé, c'est un peu comme la toque cuivrée, puisque Grand Angle a accepté de réaliser 5 films de valorisation autour des collections patrimoniales, là encore au titre du mécénat. Donc c'est vraiment un écosystème en fait qui se développe au fil des projets. D'accord, merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter pour les questions parce que on arrive au terme de notre discussion autour du mécénat. Je voulais juste rappeler que la FIL propose actuellement un dossier en ligne sur les financements pour le livre. On vous mettra le lien sur les discussions. On s'engage à répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu par écrit sur Facebook. Je voulais vous remercier de nous avoir suivis, vous dire que le Bibliogrill prochain aura lieu le 12 avril, toujours un mardi et toujours à la même heure. Clotilde et Julie, merci beaucoup. Au revoir à tous.